coup. Le général a révélé que le Conseil du Trésor a perdu la trace. Allô? Perdu la trace de milliards de dollars affectés aux initiatives antiterroristes. C'est pas le genre de choses qu'on perd dans les cracks du divan, ce monsieur, qu'on retrouve dans les poches de manteau au printemps. C'est bizarre, parce que quand les libéraux ont perdu 1 milliard de dollars au ministère des Ressources humaines, les conservateurs, eux autres, ils déchiraient leur chemise. On va en citer un, d'ailleurs. D'importantes sommes d'argent ont été égarées. Je crains que c'est extrêmement sérieux et que ça mérite une enquête. Les Canadiens veulent savoir ce qui est arrivé avec cet argent. Qui a dit ça? L'actuel ministre de la Défense, en 2000, à l'époque où il avait encore des principes. Mais c'est exactement la même chose ici. Les conservateurs ont perdu la trace de 3,1 milliards d'argent des contribuables. Point final. Mais la priorité du Conseil du Trésor actuellement, c'est de s'ingérer dans les affaires de Radio-Canada. Les Canadiens méritent mieux, monsieur. En 2015, le NPD va faire le ménage. Les Canadiens vont en avoir pour leur argent.